Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau, comme je vous l'ai dit, pour continuer cette série sur Paris Métro Simulator. Et je vous retrouve directement sur la ligne 13. On va faire du trafic perturbé. Et c'est un peu nouveau là. J'ai un nouveau truc pour conduire. Le son, on va un peu l'augmenter. On va faire n'importe. Et je sais pas si c'est normal ou pas que ce soit nouveau comme ça. Oh, ça a l'air de continuer dans la même lancée que les précédents, donc ce n'est pas si grave. J'allais dire que c'est plus simple à conduire, en fait pas vraiment. On va encore un peu baisser parce que là ça devenait un peu plus fort que ma voix, j'avais l'impression. Et là les arrêts sont beaucoup plus rapides. Et ça c'est bon. Du coup oui, on se lance directement dans cette... dans tout ça. Mais ça sera dur. J'imagine beaucoup plus court dans le cas de, du grand, pour le Grand Paris. C'est peut-être ça en fait, la raison. J'en sais strictement rien, j'habite à Paris. Mais je ne sais pas. Le Grand Paris, je crois que c'est, ça a été lancé par Sarkozy. Mais c'est tout ce que je sais. À part ça, il y aura peut-être beaucoup... toutes les rails, bien sûr. Tous les métros qui vont être, avoir beaucoup plus d'arrêts. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, je peux aller vite et ça va vite. Donc peut-être un épisode assez rapide, finalement. Et ce serait pas un épisode où je vais faire n'importe quoi non plus. Voilà, je reste à 45, il n'y a pas de problème. Ah oui, il y a bientôt déjà l'arrêt. Oui, donc oui, c'est strictement... Bon, là, du coup, j'ai plus à nier, oui, c'est beaucoup plus rapide. Même les arrêts sont beaucoup plus petits. Ça me fait même assez bizarre de voir des petits arrêts comme ça, mais où il y a quand même beaucoup plus de monde. Après, c'est logique, plus il y a d'arrêts, plus de gens peuvent aller dans différents arrêts. Mais là, ils sont même pas très loin, c'est surtout ça le truc en fait que qui me fait me poser des questions. Après, ça me fait gagner pas mal de points, c'est ce que je peux reconnaître. Donc je vais pas me plaindre quoi. Ah, faut descendre à 35. Voilà, c'est bon. Je suis à 34. Comme ça, même si c'est pas 35, mais c'est 34, je suis assez. Ah bah oui, voilà. Je me disais ça allait descendre à 30. C'est descendu effectivement à 30. Là, l'arrêt a l'air bien tagué quand même. Ah non, c'est juste les pubs. Ah voilà, j'ai vraiment arrêté pile poil. Ah non, vraiment pas quoi. C'est vraiment, j'étais à 1 cm. Du coup, ça m'a fait perdre des points. Parce que du coup, j'étais à 1 cm et je suis quand même considéré en retard. Et ça dégoûte. Après, ça va, 348 points, vraiment, je m'en sors très bien. Pour le quatrième arrêt. Allez, on monte à 30 et ça va être bon. Voilà, 30. Ça me faisait des petites peurs comme ça. Ça me disait, eh, peut-être que tu vas aller 30. Oh, je peux même aller à 65.
Combien? 50, ok. Bon, bah tant mieux que je me sois arrêté là. Après, ça va, de toute façon, je pense que j'aurais bien redescendu. À 30 maintenant, carrément! Allez, là je veux bien arriver à la. Ah, voilà, je suis obligé de faire ça. Parfait. Encore une fois, il y a quand même beaucoup de monde. Et là, il y a beaucoup plus de pubs. Cet arrêt, je pense que. Pas cet arrêt, mais. Ce métro doit être quand même beaucoup utilisé. Et ça se voit avec les personnages. Mais du coup, ouais, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de monde pour avoir tout tant de pubs. Après, c'est peut-être aussi des pubs que voulaient faire les gens de manière extra-diégétique, comme je suis extra-mew. En fait, ouais, peut-être pas Metamu, mais extra-mew. Non, Metamu, c'est bien. Et là, je peux aller à 55, donc au-delà de 30, évidemment. Ah là, je suis à 49, c'est parfait. Ah, mais attends, j'ai jamais dit coucou au code lag. Coucou! C'est la première fois, hein, c'est. Vraiment, j'étais très malhonnête jusque maintenant. J'ai gardé cette vitesse. Voilà. Et il n'y a pas tant de monde dans à cette arrêt de Champs-Élysées Clémenceau. Ce sont ici que des gens de la haute. Et donc pas beaucoup de monde. Et ils sont prêts à se partager avec la plèbe pour aller dans le métro. Attention! Et après on va chez les handicapés, les invalides. Pardon. J'ai le droit, je suis handicapé. Fallait évidemment une panne électrique, hein, sinon c'est pas drôle. Et c'est vraiment pile quand on revient du truc des bobos. Hein. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. De pourquoi c'est chez les bobos que ça bloque. Hein. C'est un bobo qui voulait vraiment pas se partager avec la plèbe, même s'il était obligé, il s'est dit non, finalement je peux pas. Donc il a créé une panne électrique. Je ne vois évidemment que ça. En plus, il voulait vraiment pas aller dans l'arrêt des handicapés. Par contre, il y a vraiment plus de temps de monde. Hein. Ah oui, il y a vraiment pas beaucoup de monde dans dans les derniers arrêts. Je sais pas si c'est réaliste ou pas. Mais il y avait moins de pubs. Donc. Encore une panne électrique, la vache, on a quand même beaucoup, et c'est pile à partir de l'arrêt après chez les bobos. Hein. C'est, je reste fixé là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à imaginer. Là, cet arrêt a l'air pourri. Ça va, mais ouais, il a pas. Et comme quoi, là, il n'y a même pas de pub. Hein. C'est vraiment. Après, c'est pas parce qu'il y a des pubs qu'il est forcément mieux, en fait. Mais. Je me dis, c'est là où plus les investisseurs veulent mettre. Donc, c'est plus là où ils vont faire des recommandations. C'est comme sur ma chaîne, on va pas, j'aurai pas des investisseurs. C'est juste logique. Ah oui, on passe de 60 à 30 quand même, c'est
Pas rien du tout, quoi. Voilà, on va rester à 30. Ah oui, et là il y a de la pub, mais pourtant il y a que 3 personnes. Après, je dis 3 personnes comme à chaque fois, mais c'est seulement les personnes que je vois jusqu'à la limite, jusqu'au bout pour que ce soit la station. Je suis sûr que dans tous les autres côtés, il y en a quand même. Et là, on est à Saint-François-Xavier. Je connaissais pas la Rèze. Je connais que Saint-Lazare. Et Montparnasse, bienvenue. Je connais bien Montparnasse surtout. Et les Invalides. J'ai beau être parigot, je connais tellement pas Paris. C'est immense. Et c'est pas avec le Grand Paris que ça va se restreindre. Hein. Non, 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 Pixel parfait. Mais du coup, il nous reste plus qu'un arrêt. Et ça, c'est bon. Et oui, cette vidéo sera donc bien plus courte que les précédentes. Après, dans la ligne 1, j'avais fait les deux lignes 1. Donc au final, ça sera de plus en plus court. Enfin, je crois pas, hein. Faut voir avec les autres. Ça, j'en sais rien. Mais quand même, pour cette première série de la saison 6, il faudrait quand même que j'envoie du lourd. Genre, la fin, ça sera en deux parties. Je l'annonce. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ah, maintenant, je suis repassé à 30. Vite, 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 vite. Non, mais là, j'allais rater ça, c'est bon. Allez. D'ailleurs, il se passe quoi si je garde les gens? Et c'est le 3 étoiles! Yes, sir! Papa, papa, papa! Papa, papa! Allez, maintenant, j'ai pas que 3 étoiles, mais c'est déjà très bien. Je suis quand même fier de ce score, parce que 3 étoiles quand même. Tchac. Et du coup, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo sur la ligne 13. Je vous retrouve donc demain pour la ligne 14. Et donc oui, parfait, je viens de voir que du coup c'est 7 bis et 3 bis. Ce sera là pour l'épisode dans deux parties. Merci du coup encore une fois de m'avoir suivi dans ce périple, qui n'était pas très long pour une fois, mais j'espère quand même que cette vidéo, même si je vous ai parlé du Grand Paris qui n'est pas très intéressant, vous aura plu. Et donc, à la prochaine! Bye!